maintenant, je présente Brigitte Zanda. Alors Brigitte Zanda, c'est une vieille amie, parce qu'on a fait notre thèse dans le même bureau. Je ne dirai pas depuis il y a combien d'années, parce que ça fait trop longtemps. Mais voilà, on a été dans le même bureau pendant, je ne sais pas, un an ou deux, ou quelque chose comme ça. Elle est maintenant enseignante chercheuse au Muséum, hein, et elle est spécialiste des météorites, de toutes les météorites, mais aussi en plus particulièrement des météorites primitives, et donc de la genèse des premiers corps planétaires. Et c'est ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui, avec des jolis échantillons à la clé. Merci Brigitte. Alors bonjour à tous. Donc je vous remercie de m'avoir invité pour cette présentation. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment les météorites nous renseignent sur les premiers instants du système solaire, sur la formation et sur l'évolution de ce système. Alors la question qu'on se pose, c'est comment passe-t-on d'un matériau comme celui-ci, qui est une représentation du disque protoplanétaire. On est ici dans le plan de ce qui va devenir le plan de l'écliptique, et on est en rotation dans un nuage de poussière et de gaz qui nous masque le Soleil. Alors comment parle-t-on de ce qu'on appelait à l'époque la nébuleuse solaire? Maintenant on parle plutôt de disque protoplanétaire. Comment passe-t-on de ce matériau très désorganisé, dont je dois dire d'ailleurs que toute représentation est assez difficile à faire. On a le même problème que pour les représentations du système solaire, à savoir représenter à la fois les distances à l'échelle et les objets à l'échelle. Vous savez que c'est une des questions qu'on a pour le système solaire. On ne peut pas représenter à la fois les distances et les échelles des objets. Donc comment passe-t-on de ce matériau très complexe et très riche et très en rotation et très varié à ce matériau ici qui est extrêmement bien organisé dans le système solaire. Alors comment ça s'est passé et comment faisons-nous pour essayer de reconstituer cette histoire? Alors on peut essayer de voir des systèmes solaires en formation. Au moment où moi je faisais ma thèse justement avec Florence, on n'avait guère que cette représentation ici, qui est faite, il faut le dire, par Bill Hartmann, qui est à la fois peintre et astronome. Donc ça lui permettait de mettre un petit peu des concepts en images. Donc pendant très longtemps, les seules visions que nous avions de ce disque protoplanétaire, c'était des peintures comme ça. Et puis depuis 4 ans à peu près, on a accès à des images qui proviennent d'un tel disque. Ici, c'est une image qui est acquise par l'interféromètre ALBA à l'ESO au Chili. Alors, on voit bien, ça ressemble effectivement à un disque dans lequel il y a des cavités. Mais cette image, on la voit en fait d'extrêmement loin, et un pixel sur cette image, c'est plus grand que la distance entre la Terre et le Soleil. Et en fait, tout le système solaire tel qu'on le connaît, il tient vraiment au cœur de cet endroit. Et les astronomes eux-mêmes qui étudient cette image ne sont pas convaincus totalement que ces lacunes qu'on voit ici sont bien des endroits où des planètes sont en train de se former. Donc une des manières d'étudier la formation des systèmes planétaires, c'est de regarder des objets en formation, mais à l'heure actuelle, on est encore assez loin d'avoir une image proche. Bien entendu, il y a déjà des images mieux résolues de cet objet ici, et avec les progrès techniques, on va aller de plus en plus loin à l'intérieur des objets. Mais on reste quand même à regarder quelque chose d'extrêmement loin. Une autre manière, c'est d'essayer de regarder les objets qui nous parviennent de ce moment-là et qui sont quasiment inchangés, et c'est ce qu'on a avec les météorites. Alors là, ça pose un autre problème, parce qu'on va regarder des objets qui sont extrêmement anciens, qui ont été formés il y a 4,57 milliards d'années et qui depuis ont évolué et donc qui vont avoir une histoire extrêmement complexe avec beaucoup de choses qui sont empilées. Et notre rôle, nous, 4 milliards d'années après, c'est d'essayer de reconstituer cette histoire pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte. Donc bien sûr, là aussi, ça va être quelque chose de complexe. C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Alors, comment savons-nous que ces objets proviennent quasiment directement, sans être modifiés depuis cette époque-là? La première chose qu'on fait, c'est de regarder leur composition chimique. Et donc là, on regarde la composition chimique de cet objet et on la compare à la composition chimique du Soleil. La composition chimique du Soleil, on la détermine par spectroscopie. La composition chimique de cet objet, on la détermine puisqu'on l'a au laboratoire et qu'on va l'étudier comme on étudie les roches avec les méthodes usuelles de la géologie.
Et sur ce diagramme, on a représenté l'abondance des éléments dans le Soleil en fonction des éléments, de l'abondance des éléments dans cette météorite. Alors vous savez tous que le Soleil, c'est essentiellement de l'hydrogène. Donc on ne va pas prendre en compte l'hydrogène et on va regarder par rapport à un élément de référence. Et l'élément de référence qu'on prend, c'est le silicium, qui est l'élément quasiment le plus abondant dans cette météorite. Et donc on va regarder les rapports de chaque élément comparé au silicium. C'est-à-dire que par exemple, on va regarder l'abondance de l'azote rapporté au silicium dans le Soleil comparé à l'abondance de l'azote rapporté au silicium dans la météorite. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, on a ici une échelle log, c'est-à-dire qu'on se multiplie de 100 en 100 à chaque fois qu'on passe une étape. Et ça, c'est parce que ça veut dire qu'on regarde sur vraiment beaucoup, beaucoup d'ordre de grandeur. Et qu'est-ce qu'on voit? Évidemment, il y a 1000 fois plus d'hydrogène dans le Soleil, parce que l'hydrogène, c'est un gaz, c'est très volatile, ça a peu tendance à rentrer dans les roches. Ça rentre quand même avec les minéraux qui contiennent de l'eau. Mais pour l'essentiel, l'hydrogène ne rentre pas dans les roches. L'hélium n'est pas représenté parce qu'il sort du diagramme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hélium dans le Soleil qu'il n'y en a dans les roches, parce que non seulement c'est un gaz, mais c'est un gaz rare. Et en plus, le Soleil en fabrique. Donc, il y a vraiment plus d'hélium. Mais pour le reste, pratiquement, presque tous les éléments se retrouvent ici sur la diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je regarde la quantité, par exemple, de magnésium qu'il y a dans le Soleil comparé au silicium, par rapport au rapport magnésium sur silicium dans la roche, ils sont identiques. Et ça, ça nous dit que c'est le même matériau et que ce matériau-là, c'est la même chose que les solides qu'on trouvait dans le disque. Alors, il y a quelques exceptions. Le carbone et l'azote qui sont assez volatiles, donc ils vont être un petit peu comme l'hydrogène, ne vont pas rentrer aussi facilement dans les roches. Et puis, quand on descend par ici, par exemple, l'indium, non seulement il est volatile, mais là, on est quand même dans les éléments ultra-traces qui sont assez difficiles à mesurer à la fois dans le Soleil et même dans les roches elles-mêmes. Dernière exception, c'est le lithium. Et bien, en fait, le Soleil, dans les processus nucléaires, quand il fabrique de l'hydrogène aux dépens de l'hélium, le Soleil détruit son lithium. Le Soleil a déjà détruit à peu près 99% de son lithium. Et c'est pour ça, la météorite, elle, nous donne une idée de l'abondance du lithium au moment où le système solaire s'est formé. Et depuis lors, cette quantité de lithium dans le système, enfin dans le Soleil, a évolué. Et donc, comme le Soleil, c'est 99,9% de la matière du système solaire, ce qu'on en déduit, c'est qu'il a été formé à partir du même matériau, plus l'hélium. Évidemment, tous ces objets-là étaient vaporisés dans le Soleil, puisque le Soleil était très chaud. Mais on a là un objet qui est représentatif de la composition chimique du matériau dans son ensemble. Alors maintenant, si on regarde ces roches d'un petit peu plus près, ces météorites qui ressemblent donc en composition chimique au système solaire, qu'est-ce qu'on voit ? Alors ici, on a une roche, une petite tranche qui est ici. On voit un peu les traces de scie, d'ailleurs, verticalement ici. Et que voit-on? On voit des petits grains qui brillent. Et ça, c'est une particularité des météorites, c'est qu'on trouve des grains de métal. On trouve du fer sous forme native à l'intérieur des roches. Ici, on a même une météorite qui est entièrement en fer. C'est une petite tranche, vous pourrez voir ces objets-là tout à l'heure si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose de totalement inusuel. Si vous avez déjà regardé des roches terrestres, vous n'avez pas l'habitude de voir des grains de métal qui brillent. En réalité, il peut y avoir quelques poussières de métal qui brillent dans certaines roches terrestres, mais c'est extrêmement peu. Il y a un seul endroit sur la Terre où on trouve du fer sous forme native, qui est au Groenland. Dans les roches de la Terre, il n'y a pas de grains de métal comme il y a voir dans ces roches-là. Et c'est pour cette raison que sur la Terre, on doit, quand on utilise du métal, c'est qu'on l'a extrait d'un minerai à partir dans un haut fourneau. C'est pour cette raison qu'il existe un âge du fer, parce qu'il fallait être capable de mesurer cette transformation. Voilà, alors maîtriser cette transformation, voilà. Donc ici, on a la filière fonte, en fait. On prend un minerai de fer qui contient du fer qui est associé à de l'oxygène sous forme FeO. On le met avec du charbon, une source de carbone, et comme le carbone a beaucoup plus d'affinité pour l'oxygène que n'en a le fer, il va se dégager sous forme de CO2 et on va avoir du fer réduit qui est sous forme Fe0 et qui est prêt à fabriquer du métal. Et cette transformation, nous ne la maîtrisons pas depuis si longtemps que ça. L'âge du fer, c'est à peu près dans nos contrées, c'est à peu près 1500 ans avant notre ère.
tous les objets plus anciens que l'on peut trouver à l'âge de bronze, par exemple, qui sont en fer et qui étaient à l'époque probablement considérés comme très précieux, ont été fabriqués à partir de matériaux météoritiques. Ici, on a deux armes qui ont été retrouvées en Chine, dont la lame est en fer métallique. Et puis, on a aussi une dague qui a été trouvée dans la tombe de Toutankhamon, dont le fer est sous forme, dont la lame est en fer métallique et qui date, elle aussi, bien sûr, de l'âge du bronze. Pour préparer cette conférence, je me suis demandé, est-ce que ça, c'est bien de l'or ? Donc, je suis allée chercher sur le net pour avoir la précision de ça. Et j'ai trouvé quelque chose qui est quand même assez amusant, parce qu'on lit « Le poignard de Toutankhamon a été forgé dans un métal extraterrestre, jusque-là, tout va bien. D'après une équipe de chercheurs, la lame d'un poignard en or posée sur la jambe gauche du roi Toutankhamon aurait été forgée dans un métal provenant d'une météorite. » Alors effectivement, ce poignard ici est en or, les étuis sont en or, parce que je suis allée voir la publication originale dans laquelle on parlait de ça, mais j'ai trouvé ça assez amusant, parce que si c'est précieux pour un journaliste à l'heure actuelle, ça doit être en or. Heureusement, il y a des journalistes qui font vraiment correctement leur travail et qui, eux, ont accès aux publications originales, et donc j'ai trouvé dans Science et Avenir une seconde dague, celle-là d'or, se trouvait, elle, déposée sur l'abdomen du jeune pharaon. Je suis allée voir la publication originale. Ce qu'ils disent, c'est qu'à l'époque, donc, le fer était considéré comme venant du ciel. Il allait guider le jeune roi vers le ciel et il était considéré comme étant plus précieux, effectivement, que l'or. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de fer, à la surface de notre Terre alors que l'on trouve dans les météorites? Alors, quand on imagine la formation des premières planètes, ça c'est un dessin de comment pouvait se passer l'accrétion, c'est-à-dire dans le disque protoplanétaire, les objets vont croître petit à petit par accumulation progressive. Alors là, c'est une représentation qui est assez calme de ce phénomène, mais en réalité, les collisions entre objets, et plus les objets vont grossir, c'est quelque chose qui était assez violent, parce que les objets dans le disque protoplanétaire tournaient autour du Soleil en formation à la vitesse cosmique, à la vitesse à laquelle les objets se déplacent à l'heure actuelle, et ces vitesses, c'est des vitesses de l'ordre, on va dire, de 70 000 km/h. Donc ce sont des objets extrêmement rapides. Et je vais vous montrer la formation, le dernier épisode de la formation de la Terre qui a été modélisée par des physiciens, et vous allez voir comment la Lune se forme quand le dernier gros objet qui gravitait dans le disque entre en collision avec la Terre. Alors c'est ce qu'on appelle le modèle de la synestia, puisque les matériaux de la Terre et de la Lune sont mélangés sur une période assez brève, donc toute la Terre est fondu en surface, le matériau de la Lune se mélange en partie avec la Terre, il y en a une partie qui est vaporisée, qui va petit à petit se recondenser en orbite, et tout ce matériau va finalement se rassembler pour former la Lune, une partie du matériau incident au départ se retrouvant quand même au centre de la Terre. Alors vous voyez qu'il s'agit d'un phénomène absolument ultra-violent, et on comprend bien que la Terre donc a été fondue, en tout cas sur une très très grande épaisseur, peu après sa formation. Et si vous avez un matériau, comme une chondrite que je vous ai montré tout à l'heure, j'en ai ici un exemplaire, dans lequel il y a un mélange de silicate et de métal, quand les deux vont fondre, ça va faire un liquide immiscible, et quand vous avez deux liquides de densité différentes qui sont immiscibles, je pense par exemple à de l'huile et du vinaigre, ils vont se séparer naturellement. Et c'est ce qu'on a sur la diapo suivante, voilà. C'est ce qu'on a ici. Alors ça, c'est fait avec des cocktails, mais le principe est le même. Si on a des liquides de densité différente, ils vont avoir tendance à se séparer. Et sur la Terre, c'est ce qui s'est passé. Le liquide métallique a coulé au centre de la Terre en entraînant avec lui le fer, mais aussi le nickel, l'or, tous les éléments chimiques qui avaient une grande affinité pour le fer. Le manteau n'a probablement pas été fondu dans son intégralité, mais il y avait quand même des chenaux qui faisaient que les liquides basaltiques les plus légers avaient tendance à s'épancher en surface. Et donc la Terre s'est différenciée, c'est-à-dire qu'elle s'est séparée en couches de densité différentes, avec un cœur métallique, avec un manteau résiduel et puis une surface basaltique. Donc la Terre a chauffé et un des facteurs de cette chauffe, c'était
c'était donc les collisions entre planètes. Mais il y a une autre source de chaleur à l'intérieur des planètes dont nous allons parler maintenant. Il s'agit de la décroissance radioactive d'un certain nombre d'éléments instables. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette courbe. Ici, on regarde le nombre d'atomes, l'abondance d'un noyau en fonction du temps. Si un noyau est instable, il va avoir tendance à décroître, à se désintégrer. Et on ne peut pas dire, quand on prend un noyau donné, ce noyau-là va se désintégrer avant tel moment. Mais si on a une population de noyaux, admettons on a 100 noyaux, on sait que dans 10 minutes, il n'y en aura plus que 50, dans 20 minutes, il n'y en aura plus que 25, et ainsi de suite. C'est-à-dire, statistiquement, on sait que la moitié des noyaux vont avoir disparu au bout d'un certain temps, qu'on appelle la demi-vie. Et ces noyaux vont donner un autre noyau atomique qui va être l'élément fils, ici, qui est représenté en bleu. Donc au bout d'une première demi-vie, on n'a plus que la moitié des éléments qui étaient là. Au bout d'une deuxième demi-vie, au bout d'une première demi-vie, il n'y en a plus que la moitié. Au bout d'une deuxième demi-vie, il n'y en a plus qu'un quart, et ainsi de suite. Et donc parallèlement, l'abondance du noyau fils va croître. Et cet événement, c'est quelque chose qui va libérer de la chaleur. Et ce qu'on représente ici, c'est la chaleur qui est dégagée par ce phénomène. Alors, si un noyau a une période assez longue, ça veut dire qu'il va se désintégrer assez lentement. Mais si on a un noyau qui a une demi-vie très rapide, il va se désintégrer très vite, il va être beaucoup plus actif. Et alors, je vous ai mis ici en parallèle le cas de deux noyaux différents. Ici, un noyau qui se désintègre assez lentement, et ici, un noyau qui se désintègre un petit peu plus, beaucoup plus rapidement. Et ça veut dire que ce noyau-là va disparaître très vite, mais aussi qui va chauffer beaucoup très vite. Donc on a des noyaux de période courte qui vont chauffer très rapidement les matériaux, et on a des noyaux de période longue qui vont libérer de la chaleur, mais de manière beaucoup plus lente. Ces propriétés des noyaux radioactifs, ils sont intéressants à deux titres. Ils sont intéressants donc parce qu'ils ont chauffé la planète, ils continuent à chauffer la Terre, hein, avec des noyaux de période longue, par exemple le potassium-40 qui se désintègre extrêmement lentement. Et puis, ils vont nous permettre aussi de dater les roches en s'appuyant sur ces propriétés ici. Alors on a toute une gamme de noyaux avec des périodes différentes qui sont instables. On a des noyaux comme le néodyme 144, le samarium 142, etc., qui ont des périodes extrêmement longues. Et puis, on a, vont permettre de dater des phénomènes qui se produisaient au tout début du système solaire, voire même avant. Et puis, à l'autre bout, on a des noyaux instables de périodes beaucoup plus courtes, comme l'aluminium, qui vont avoir un rôle très important, en plus parce que l'aluminium, c'est un élément chimique qui est très abondant dans le chauffage des planètes. Et à l'heure actuelle, donc bien entendu, tout l'aluminium 26 qui était dans le système au départ a décru depuis longtemps, puisque c'est quelques centaines de milliers d'années la période de l'aluminium. En revanche, on a encore des matériaux qui chauffent l'intérieur de la Terre de manière très graduelle, et c'est pour cela qu'on a encore un volcanisme actuel à l'heure actuelle sur la Terre. Donc en bilan, on a la formation des planètes, certaines d'entre elles vont fondre, on va pouvoir avoir des fragments de roches qui proviennent de ces différents étages à l'intérieur d'autres planètes qui ont évolué comme la Terre. C'est pour ça qu'on peut avoir des météorites qui sont entièrement en métal comme celle-ci. Ce sont des fragments du noyau d'un astéroïde qui a été cassé. Mais je ne vais pas parler tellement de ces roches-là qui nous renseignent évidemment sur l'intérieur des planètes, ce qu'il faut quand même dire qu'on n'ira jamais au centre de la Terre. C'est beaucoup trop chaud, beaucoup trop loin, beaucoup trop difficile, beaucoup trop solide. Néanmoins, grâce à ces météorites, on a des renseignements sur l'intérieur des planètes. Mais on va se concentrer plutôt sur des planètes qui viennent d'objets qui ont été chauffés, certes, certaines très chauffées, mais qui ne sont jamais arrivées jusqu'à fusion et qui donc ont préservé la composition chimique du matériau d'origine. Et on va voir qu'est-ce que ces roches nous racontent donc, sur les premiers instants du système solaire. Donc on a cette tranche de roche dans laquelle on a des grains de métal qui sont mélangés, mais on va maintenant regarder de plus près la structure de ces roches. Et une des particularités de celles qui ont été les moins chauffées par ces roches-là, on sait les reconnaître à l'heure actuelle, c'est d'être constituées de l'accumulation de petites sphères, les unes collées les unes avec les autres, qui représentent à peu près 85% de ce matériau.
qu'on appelle les chondres, ça veut dire petit grain en grec. Et donc, on va appeler, pour cette raison-là, ces roches, on va les appeler les chondrites. Donc, les chondrites, ce sont vraiment l'accumulation de petites sphérules, comme ça, qui sont en abondance variable. Ici, on a une vue au microscope électronique à balayage qui nous donne une idée du relief, et ça permet de voir que le caillou, c'est un petit bout de caillou cassé qu'on voit là, bien, il est constitué de petites billes qui sont collées les unes avec les autres. Et puis, si on prend une tranche fine de la météorite, qu'on la polie de manière à ce qu'elle soit à peu près de l'épaisseur d'un papier à cigarette, on la colle sur une lame de verre et on la regarde par transparence, comme on regarde un vitrail, mais en plus en traitant la lumière, on voit bien ces petites billes, comment elles sont séparées. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes sphériques, il y en a qui sont cassées ici. Bon, c'est plus compliqué que ça. Néanmoins, ça nous permet de voir au travers de ce vitrail, au travers de cette lame mince de roche, de voir sa structure interne. Et ici, on a un détail donc, sur un chondre. Voilà, on voit que c'est une petite bille en fait, qui a été coupée. Et ça, on sait que ça existe depuis 200 ans, depuis qu'on a mis la première lame de météorite dans un microscope. Déjà à l'époque, Sorby avait compris qu'il s'agissait d'une petite gouttelette d'un liquide magmatique. Mais comprendre comment s'étaient formés ces liquides, ça, c'est vraiment une autre question. Ça fait longtemps qu'on sait que si on met un liquide dans un état de microgravité, donc un magma en état de microgravité, il va prendre naturellement une forme de sphère à cause des forces de tension superficielle. Et en fait, Hergé l'a représenté avant même qu'on soit allé, dans l'espace. À l'heure actuelle, on peut encore le faire, et je vais vous montrer un petit film ici, qui est un astronaute qui est dans la navette spatiale et qui va laisser s'échapper une bille d'eau et qui s'amuse avec. Donc il a laissé, donc le liquide se met en boule, il va y mettre de l'encre bleue d'abord, ensuite de l'encre rouge. Puis alors après, il a une idée, il s'amuse, hein, il a une idée un peu farfelue, il y met des comprimés d'aspirine effervescent. Alors moi, je trouve que cette vidéo, elle est très intéressante et ça m'a fait réfléchir parce que ça fait longtemps que je travaille justement sur ces objets-là, sur ces chondres, comment ils ont été formés, dans quelles conditions. Et ça fait longtemps qu'on sait que ces chondres, ils ont perdu des volatiles. Et moi, je pensais que ça s'évaporait lentement de la surface. Et en fait, ce qu'on voit là, vous voyez, c'est que ces dégâts sont émus sous forme de bulles et qu'on a des petits fragments de ce liquide qui sont émis en même temps. Effectivement, dans la périphérie des chondres, on trouve souvent des microchondres. Et en fait, je pense que ça nous suggère que le dégazage des chondres n'était pas du tout le processus lent qu'on avait en tête, parce qu'on n'avait pas essayé, mais que ça se ressemblait plus à ce qui se passait ici. Alors, les chondres, donc, c'est une des caractéristiques de ces roches. Ça fait 200 ans qu'on sait qu'on les connaît. Et c'est une des grosses questions. Que se passait-il dans le disque protoplanétaire ? Pourquoi sont-ils présents dans ces roches? Quelle est la source de ces liquides? On pense que c'était des solides préexistants et que ces solides ont été chauffés et qu'ils ont fondu. Mais quel est le mécanisme qui a permis de les pondre? Alors là, je vous montre un schéma qui a été fait par un astronome exactement au moment où ces conférences démarraient ici, hein, parce que ça date d'une conférence qui était en fin 1994 ou début 1995. Et donc, l'astronome en question a synthétisé, nous a fait un dessin de tous les mécanismes qui avaient été envisagés pour la formation des chondres. Lui, il pense que c'est ce qu'on voit, c'est le Soleil, et puis on est dans le disque protoplanétaire vu en coupe, on s'éloigne ici du Soleil. Alors, lui pense que c'est le Soleil lui-même qui chauffe. Eux pensent que ce sont des planètes ou des futures planètes qui rentrent en collision les unes avec les autres. Eux pensent que c'est des paquets de matière qui tombent. Eux pensent que c'est des éclairs dans le disque. Alors, moi, ça me suggère deux réflexions. Une, c'est qu'il ne devait pas faire bon dans le disque protoplanétaire. Ça devait être assez inconfortable comme endroit. C'est même étonnant qu'il y ait des objets qui n'aient pas été fondus. Et surtout, ça suggère qu'on a beaucoup d'imagination dans notre communauté, mais que pour le moment, on comprend extrêmement mal. Et on comprend tellement mal qu'on ne sait même pas, et on ne sait toujours pas, et c'est toujours un objet de débat, est-ce que les planètes avaient déjà été formées? Donc, est-ce que les chondres peuvent s'être formées à l'occasion de collisions, peut-être pas de planètes, mais de protoplanètes, je devrais plutôt dire? Ou au contraire, est-ce que c'est la formation des chondres qui font que le matériau a réussi à se coller et à s'agglutiner et à commencer à former des planètes? Donc, vous voyez, on est vraiment extrêmement loin du compte, mais bien entendu, on travaille sur des phénomènes qui se produisaient il y a 4,6 milliards d'années, donc c'est très difficile de reconstituer ce qui pouvait se passer.
Si on refaisait faire ce dessin-là par un autre astronome maintenant, les mécanismes envisagés seraient complètement différents. Pour le moment, on essaye de comprendre donc quelque chose qui est difficile, et c'est moi, c'est là-dessus que je travaille, et j'avoue que pour le moment, on n'en voit pas du tout le bout. Alors, non seulement les chondrites contiennent des chondres, mais en plus, les aspects de ces chondres, leur nature chimique, leurs abondances et leur taille vont varier d'un groupe de chondrites à l'autre. Ce qu'on a là, c'est qu'on a là trois lames minces de trois météorites différentes, de trois chondrites différentes. Et qu'est-ce qu'on voit tout de suite? On voit que ici, les chondres sont vraiment quasiment collés les uns avec les autres. Il y a très peu de matériau interstitiel qui est noir. En fait, le matériau interstitiel, c'est une poussière extrêmement fine qui est de taille micrométrique et la lumière va être diffusée, parce que la lame fait 30 microns d'épaisseur, la lumière qui est en dessous est diffusée par ces grains très très fins qui sont sur le chemin, donc la matrice apparaît noire. Donc ce qui est noir, ça peut être de la matrice ou ça peut être du métal, qui évidemment lui est aussi opaque. Bon, là, on voit qu'il y en a quand même extrêmement peu. L'essentiel du matériau de cette roche, ce sont des chondres. Ici, on voit qu'on a plus de matériaux interstitiels noirs et que les chondres sont assez gros, à peu près le même taille qu'ici. En fait, c'est une taille à peu près millimétrique pour les chondres dans ces deux objets. Et puis là, on a encore plus de matériaux sombres et les chondres sont beaucoup, beaucoup plus petits. Ça suggère que l'assemblage, il a pris un certain temps, il ne s'est pas fait partout pareil, pas partout en même temps. Et aussi, puisque les tailles des chondres varient d'un groupe de chondrites à l'autre, qu'il y a eu un tri en densité dans le disque. À l'heure actuelle, on ne sait pas expliquer ça, mais évidemment, ça influe la manière dont on pense que les choses se sont assemblées. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, donc les chondrites ont exactement la composition du Soleil. En réalité, ça n'est vrai que pour une seule variété de chondrites, qui est celle-ci, qui est la météorite d'orgueil. Si je regarde toutes les autres chondrites, là, ce sont celles que je vous montrais en lame tout à l'heure, donc qui ont des aspects différents. Et je regarde l'abondance d'un élément qui peut être l'aluminium, le titane, le manganèse, le zinc, rapporté à l'aluminium, et je compare à ce rapport dans Orgueil. Et bien, évidemment, comme Orgueil, c'est mon objet de référence, tout est à 1, mais dans les différents groupes de chondrites, je vois qu'il y a ce qu'on appelle des fractionnements, c'est-à-dire qu'il y a des différences d'abondance relative de chaque noyau chimique comparé à l'aluminium, avec ce rapport est différent dans Orgueil. Et par exemple, si je prends un élément vraiment volatile comme le zinc, et ben dans cette météorite ici, il va y en avoir que 20% comparé à l'aluminium, comparé au rapport zinc sur aluminium dans Orgueil. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a des éléments volatiles qui ont été perdus par cette roche comparé au matériau d'Orgueil qui, lui, avait vraiment la composition du Soleil. Alors, on ne comprend pas bien ça, mais ce qui est sûr, c'est que comme on a des planètes qui ont des compositions chimiques différentes, si on est capable de comprendre pourquoi ces petits corps, ces chondrites ont des compositions chimiques différentes, peut-être ça nous donne des pistes pour comprendre pourquoi, par exemple, Mercure est beaucoup plus riche en fer que ne l'est la Terre, et des choses comme ça. Et puis, on essaye de reconstituer aussi comment ces objets se sont formés. Alors ici, c'est la même chose que tout à l'heure, on a le Soleil, on a le disque protoplanétaire qu'on voit en coupe et qui s'évase quand on s'éloigne du Soleil. Ici, on a les jets qui sont émis par l'étoile nouvellement formée. Et la question qui se pose, c'est de savoir comment ça fonctionne. Il y a des théories qui disent que les chondres sont formées au voisinage du Soleil, là où il fait assez chaud, et puis qu'ils sont éjectés dans la matrice qui est froide beaucoup plus loin. J'ai des collègues qui pensent qu'il y a un lien de composition chimique entre les chondres et la matrice. Et que si ces deux chondrites ont des compositions chimiques différentes, il y a aussi des chondres qui ont une composition chimique différente, et puis la matrice elle-même a des compositions chimiques différentes. Et que donc ces chondres et cette matrice fine, cette poussière qui est autour, ont été formées ici au même endroit et ici au même endroit. Alors que si le schéma qu'on voyait tout à l'heure était vrai, ben normalement, ici, on a la poussière du disque qui a la composition chimique d'orgueil globalement, et puis les chondres viennent se mélanger avec. Et donc, ils se sont assemblés avec une poussière qui est toujours la même. Ça change beaucoup notre vision du disque, ce fonctionnement du disque. Savoir si la matrice est la même partout ou si elle est différente d'un groupe de chondrites à l'autre. Est-ce que cet assemblage, le transport a été autorisé? Est-ce qu'on pouvait éjecter les chondres et la matrice loin
les condres loin dans le disque, là où ils viennent s'assembler avec une matrice froide, ou au contraire, ça se passe comme ça. Et en fait, vous allez me dire, il suffit de vérifier si la composition chimique de la matrice c'est la même que celle d'orgueil, ou bien est-ce qu'elle est variable d'un groupe de chondrites à l'autre. Je peux vous dire, pourquoi je vous raconte cette histoire, c'est parce que c'est l'objet d'un débat qui date depuis 20 ans. Personnellement, je suis convaincue que les objets qu'on mesure à l'heure actuelle, ils ont cet aspect-là, mais en réalité, sur le corps parent, c'est-à-dire sur l'astéroïde dont provient la roche, ces objets-là ont réagi. C'est-à-dire que ça s'est assemblé comme ça, et il y a eu des réactions secondaires entre les condres et la matrice qui se sont portées sur le corps parent. Mais comme c'est très difficile d'analyser in situ spécifiquement la matrice, ce sont des questions auxquelles on n'a pas la réponse encore à l'heure actuelle. Donc vous voyez, on est très loin de comprendre comment se sont formés l'assemblage, comment se sont formées les chondrites, comment s'est formé cet assemblage chondritique. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre pour comprendre comment fonctionnait le disque, mais on a beaucoup d'autres informations qui sont à l'intérieur de ces roches dont je vais parler maintenant. Ici, on a une chondrite qui contient une proportion plus importante de ce matériau fin qu'on appelle la matrice, là, qui est sombre. On voit les chondres qui sont bien distincts. Ici, on a une tranche simplement qui est sciée. On voit d'ailleurs les traits de scie ici. Et donc, on voit les petits objets, comment les chondres sont sertis dans la matrice. Et puis, on voit ces espèces de petits paquets blanchâtres qui ne ressemblent pas à des chondres, qui ont un peu une forme comme des petites boulettes de pain, là, qui ont des formes assez contournées. Eh bien, il s'avère que la composition chimique de cet objet, ce sont les éléments chimiques les moins volatiles. C'est-à-dire, quand tout à l'heure je vous ai montré les fractionnements, je vous ai dit le zinc est très fractionné, l'aluminium, le titane, le calcium, ce sont des éléments qui sont très peu volatiles, qui ne vont pas avoir tendance à s'évaporer. Et ce sont aussi, si on prend un gaz qui a la composition du soleil et qui se condense graduellement en se refroidissant, ce sont les premiers éléments qui vont se condenser, l'aluminium, le titane, le calcium. Et ces inclusions, ce sont ou des oxydes d'aluminium, titane et calcium, ou des silicates d'aluminium, titane et calcium. Et ça, ils ont été découverts en fait assez récemment, en réalité, seulement en 1968, et ça porté à dire tout de suite, ce sont probablement les premiers condensats qui se sont formés au voisinage du Soleil dans le système solaire. Et on mesure les âges de ces objets, ils ont 4 567 millions d'années. Et quand on donne l'âge du système solaire, c'est l'âge de ces objets qui est mesuré, qui sont les objets les plus anciens qu'on connaît, les objets les plus anciens qu'on mesure. Et en fait, quand on vous donne l'âge du système solaire, par convention, c'est le moment où ces objets-là se sont formés, parce que c'est la seule chose qu'on soit capable de dater qui soit vraiment extrêmement ancienne dans le système solaire. On n'a pas trouvé d'objet plus ancien que ça. Et donc voilà l'âge du système solaire que l'on ne peut pas mesurer dans les roches de la Terre, puisque la Terre a fondu depuis sa formation. Nous n'avons pas accès à des roches aussi anciennes que celles auxquelles nous avons accès ici. Et donc c'est avec ces météorites qu'on va pouvoir reconstituer quand précisément le système solaire a commencé à se former. Et puis cette petite matrice fine, qui est plus abondante dans cette roche ici, c'est celle qui correspond à la troisième lame que je vous montrais tout à l'heure, donc cette petite matrice fine, elle va avoir énormément d'intérêt aussi. On voit ici une photo de microscope électronique à transmission, où on voit la taille, la barre d'échelle ici, c'est 200 nanomètres, donc un cinquième de micron qui est déjà un millième de millimètre. Donc on a des objets qui sont ultra petits, et en fait on trouve des minéraux qui ressemblent tout à fait à ceux qu'on voit à l'intérieur des chondres, simplement on a un matériau extrêmement fin qui est accumulé. Pourquoi cette matrice nous intéresse-t-elle? Elle nous intéresse parce qu'elle est à la fois le siège d'éléments volatiles, de composés organiques et de grains présolaires. Ils ont fait d'ailleurs, on a parlé de ces grains relativement récemment, dans la matrice de certaines chondrites, on trouve des grains comme ça, qui sont plus anciens que les chondrites, qui sont plus anciens que le système solaire, qui ont été formés au voisinage d'étoiles et qui nous renseignent sur la nucléosynthèse dans ces étoiles. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le Soleil c'est 99,9% de la matière du système solaire, et à 98%, cette matière est constituée d'hydrogène et d'hélium qui ont été formés dans le Big Bang. Mais le reste, tous les autres éléments chimiques qu'on va trouver dans le système solaire, qui composent les gaz et les grains du système solaire, tout ce matériau ici, ça a été formé dans des étoiles
qui ont disparu avant la formation du Soleil. Et en particulier, donc, ces grains qui sont condensés au voisinage de ces étoiles et qu'on va retrouver dans les météorites. On a un schéma ici du système. Donc, on a le Big Bang qui va ensemencer le milieu interstellaire en hydrogène et en hélium. Et puis, à partir de ce milieu, vont se former des étoiles qui vont avoir des évolutions différentes, qui vont fabriquer en quantité relativement faible, hein, des éléments chimiques plus denses, y compris d'ailleurs des noyaux radioactifs, qui sont ceux qu'on va trouver, qui vont chauffer les planètes après leur formation. Et donc, ce sont ces poussières-là qui vont survivre pour certaines d'entre elles et que l'on va retrouver, qui vont faire tous les éléments lourds du système solaire, et puis qu'on va retrouver pour certaines d'entre elles sous forme de grains présolaires à l'intérieur des météorites. Donc, avec les météorites, on a accès essentiellement à ce qui se passe au moment de la genèse d'une étoile qui est le Soleil, qui est une étoile qui va avoir une évolution relativement courte. Mais en réalité, c'est bien sûr influencé par tout ce qui s'est passé avant dans ce cycle de formation des étoiles préalables. Ici, on a une vue de comment évolue la composition de ce milieu interstellaire au cours du temps. Ici, on a un détail, voilà. Eh bien, au moment du Big Bang, la première génération d'étoiles va se former essentiellement avec de l'hydrogène et un petit peu d'hélium. Et puis, au fur et à mesure du temps que des étoiles se forment et évoluent, eh bien, la composition du milieu interstellaire va s'enrichir en gaz et en grains avec des éléments chimiques plus lourds. Et donc, ce système a continué à évoluer à l'heure actuelle et le Soleil nous donne une photographie de ce qu'il y avait dans la galaxie, dans le milieu interstellaire, au moment où il s'est formé, c'est-à-dire il y a 4,6 milliards d'années. Et donc les grains sont hérités. Il faut que je clique là, voilà. Et donc ces grains sont hérités de cette époque ici. Et on va pouvoir les affecter à certaines étoiles parce qu'ils ont des propriétés nucléaires, c'est-à-dire ils ont des assemblages de noyaux qui sont tout à fait particuliers, qui signent les réactions nucléaires dans lesquelles, enfin, qui se produisaient dans l'étoile dans laquelle ils ont été formés. Et donc, on va pouvoir affecter ces différents grains à différents types d'étoiles, à des supernovae, à des géantes rouges, et ainsi de suite. Et ils sont tous produits, se retrouvent piégés dans le milieu interstellaire qui va servir à former le Soleil, et on va les retrouver tels quels dans les météorites. Ces grains, jusqu'à récemment, on a beaucoup de mal à les dater, mais ils ont été irradiés par des particules cosmiques qui vont induire des réactions nucléaires, et on peut essayer de voir quelle est la quantité de ces matériaux qui ont été accumulés. Pendant très longtemps, on disait que c'était quelques centaines de milliers d'années avant la formation du système solaire. Très récemment, il y a un papier qui est sorti qui dit que ces grains sont vieux de 2 à 3 milliards d'années avant la formation du système solaire. Donc on a vraiment accès à des matériaux qui proviennent d'étoiles qui sont 2 à 3 milliards d'années plus anciennes que le Soleil. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, et l'étude de ces grains, c'est devenu vraiment une discipline à l'intérieur de notre discipline, où les gens regardent les compositions isotopiques de ces grains et ils les comparent au modèle de réaction nucléaire dans les étoiles. Et puis à côté de ces grains dans la matrice, ben on va trouver des matériaux hydratés. Et ça pose la question de savoir, est-ce que l'eau sur Terre a été apportée de l'espace ? Et pour répondre à cette question, on regarde ici le rapport D sur H. Alors de nouveau, on a des échelles log ici. On regarde le rapport D sur H, c'est-à-dire de l'hydrogène normal, qui est en fait, dont le noyau est constitué simplement d'un proton, et du deutérium, donc la quantité de deutérium dans cet hydrogène. Le deutérium, c'est aussi de l'hydrogène, mais dans le noyau, en plus du proton, il y a un neutron. Et donc, c'est de l'hydrogène lourd, dont la masse atomique est de 2 au lieu d'être 1. Et là, les objets sont simplement rangés dans un ordre qui est pratique. Alors, on sait qu'il y avait relativement peu de deutérium au moment où le Soleil s'est formé, dans la nébuleuse solaire, dans les planètes géantes, telles qu'on peut le mesurer. Évidemment, ce sont des mesures qui sont très difficiles à faire à distance. Il y en avait plus au moment où la Terre s'est formée. Donc, on a ici la valeur de la Terre. Et pendant très longtemps, on a dit que l'eau était apportée sur la Terre par les comètes. Ben, si on regarde le D sur H dans les comètes, ben, vous voyez qu'il est beaucoup plus élevé dans les comètes, parce que là, on a quand même un facteur extrêmement important ici. Encore une fois, on est en log. Le D sur H est plus élevé dans les comètes qu'il n'est dans les météorites et dans la Terre. En revanche, si on regarde les chondrites,
ces roches dont on parlait tout à l'heure, en particulier la météorite d'Orgueil, qui contient quand même 20% d'eau sous forme de minéraux hydratés. On voit qu'il y a une très bonne correspondance. Donc ça suggère que cette eau qu'on trouve à l'heure actuelle sur la Terre, soit la Terre a été formée à partir de chondrites qui contenaient la même eau que les chondrites actuelles, soit l'eau qui est sur la Terre à l'heure actuelle, qui forme nos océans, a été apportée par des météorites similaires à celles que nous voyons tomber à l'heure actuelle. Et puis enfin, à côté de l'eau, à côté des grains présolaires, dans la matrice, on va trouver des matériaux organiques. Alors qu'est-ce que c'est que des matériaux organiques? Ce sont des matériaux qui sont constitués essentiellement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote, et qui forment les matériaux du vivant, avec évidemment plein d'autres éléments en trace, mais la base de ces molécules, ce sont ces quatre atomes. Ces quatre atomes, pardon. Les protéines sont des chaînes d'acides aminés qui ont un groupement acide, ici c'est OOH, et puis un groupement amine, NH3. Donc ce sont des molécules qui ont une composition chimique bien déterminée, mais après il peut y avoir une forme assez différente pour chacun de ces atomes qui vont avoir des chaînes plus ou moins longues. Ce qui est important, c'est que dans ces acides aminés, qui sont donc les briques qui s'assemblent pour former les molécules organiques, ils peuvent avoir des formes physiques différentes. Exactement comme j'ai deux mains qui sont symétriques, mais qui ne sont pas identiques. Si je me cache sous la table et que je vous fais coucou, vous saurez si je vous montre ma main droite ou ma main gauche. De la même manière, certains acides aminés, pas tous, peuvent avoir deux formes qui sont symétriques mais pas identiques, non superposables. C'est ce qui est représenté ici. Voilà. Dans la vie, on utilise, pour former les briques du vivant, pour former les molécules du vivant, il y a à peu près une vingtaine d'acides aminés qui sont utilisés. Et pour des raisons que nous ne comprenons pas bien à l'heure actuelle, c'est toujours la forme gauche, c'est toujours la main gauche que l'on trouve dans ces protéines du vivant. Dans les météorites, la situation n'est pas la même. D'abord, il y a 70 acides aminés. Il y en a beaucoup plus que dans les molécules du vivant. Et en plus, on trouve des proportions quasi égales de la forme gauche et de la forme droite. Il y a un léger excès de forme gauche, mais c'est très peu. Donc, voilà la situation dans les météorites et voilà la situation dans la vie. Qu'est-ce que ça nous suggère? Ça nous suggère que les molécules que l'on trouve dans les météorites ne sont probablement pas dérivées d'organismes vivants. Ce ne sont pas des organismes vivants, en tout cas des organismes vivants qui ressembleraient à ce que nous sommes, qui se sont dégradés pour donner naissance aux météorites que l'on trouve aux acides aminés que l'on trouve dans les météorites. En revanche, ça suggère que les acides aminés qui ont été apportés par les matériaux extraterrestres sont probablement à l'origine des acides aminés qui ont servi à fabriquer les molécules du vivant. Je vous ai montré tout à l'heure la formation de la Lune. Vous avez vu que c'était un événement ultra catastrophique, que la Terre a été largement fondue sur une très grande épaisseur peu après sa formation. S'il y avait des molécules organiques, s'il y avait de l'eau à la surface de la Terre, au moment où la Lune entre en collision, enfin le matériau qui va donner la Lune entre en collision avec elle, il est vraisemblable que l'essentiel de ce matériau a été détruit. Et donc il a fallu réensemencer la Terre, à la fois en eau et en matériaux organiques, et c'est probablement les molécules, les chondrites que nous étudions là, qui ont apporté ces matériaux. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on a de nouveau le disque protoplanétaire qui est représenté ici. Vraisemblablement, au voisinage du Soleil en formation, il faisait extrêmement chaud. Donc, les matériaux, au moment, à l'instant T0, étaient entièrement vaporisés. Et puis, quand on s'éloigne du Soleil, on se retrouve dans des endroits qui sont de moins en moins chauds. On franchit ce qu'on appelle la ligne de glace. À l'intérieur de ça, l'eau, elle est sous forme vapeur. À l'extérieur, l'eau, elle est sous forme de petits grains de glace. Et quand on s'éloigne suffisamment, ben, on se retrouve dans une zone où on n'a plus que des matériaux interstellaires qui sont préservés. Les inclusions réfractaires sont les premiers condensats qui se forment ici dans cette région au voisinage du Soleil. Et puis les chondres qui ont des compositions chimiques intermédiaires,
plus riches en volatiles que les inclusions réfractaires, mais pas du tout aussi riches en volatiles que la matrice, ben, ils peuvent s'être formés dans cette région intermédiaire, ou bien ils peuvent s'être formés plus tard dans cette région-là, au moment où le système était suffisamment refroidi. Tout ça, c'est des questions auxquelles on n'est pas capable de répondre, mais vraiment, une des questions qu'on se pose, c'est de savoir comment est-il possible qu'à l'intérieur d'une même roche comme ça, on trouve des objets qui se sont formés soit à des moments différents, soit à des endroits différents, soit à la fois à des moments différents, à des endroits différents, et qui sont tous rassemblés ici pour nous raconter une histoire qui est évidemment extrêmement complexe, mais c'est ça qu'on essaye de lire dans les météorites. Si on arrive à comprendre donc la genèse de ces objets, leur composition, mais pourquoi elles ont des compositions chimiques différentes, pourquoi elles ont des structures minéralogiques différentes, ben, ça va nous aider à reconstituer la genèse du système solaire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit à l'heure actuelle, par les modèles, la formation du système solaire sous cette forme, donc un nuage de gaz et de poussière qui s'effondre sur lui-même, un disque en rotation autour d'une étoile dans lequel vont petit à petit coalescer des grains de plus en plus gros et puis pour petit à petit donner des pronoplanètes pour arriver à ce système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, si on essaye, à partir des modèles, de reconstituer ce qu'il y avait, bah, le temps, au moment T0, c'était du gaz et des poussières héritées du milieu interstellaire. Au bout d'un million d'années, on avait déjà des grains un petit peu plus tôt, un peu plus gros. C'est probablement à ce stade-là que se forment les inclusions réfractaires. Et puis, on va avoir des planétésimes, des embryons et des petits corps avec une organisation du système solaire qui commence à ressembler à celle qu'on peut trouver à l'heure actuelle au bout de 100 millions d'années. On imagine que le matériau du disque, ça ressemble à ça. Au début, des grains, parmi lesquels les grains présolaires, donc des objets qui vont entrer en collision avec les uns avec les autres, qui vont grossir petit à petit. Et en fait, dans les météorites, on trouve à peu près toutes ces étapes-là de l'histoire, avec les grains présolaires, les inclusions réfractaires, les chondres, qui correspondent aussi plus ou moins à ce moment-là, les chondrites, qui sont les premiers, peut-être les premiers corps qui se forment, les embryons, qui correspondent aux corps dont proviennent ces météorites que nous recevons à l'heure actuelle, et puis des corps différenciés, des corps planétaires différenciés qui ont fondu. Alors là, je vous raconte cette histoire de manière assez linéaire. En réalité, elle n'était probablement pas aussi linéaire que ça. En particulier, on sait à l'heure actuelle que les corps différenciés qui ont fondu comme la Terre, cette différenciation s'est faite extrêmement tôt dans l'histoire, parce qu'ils avaient accumulé justement beaucoup d'éléments radioactifs et ils ont fondu très tôt. Et on n'arrive pas à distinguer leur âge réel de celui des inclusions réfractaires. Donc on vous raconte une histoire comme ça qui a l'air d'être linéaire, mais elle est évidemment plus complexe. Mais c'est ça notre travail, c'est d'essayer de déconvoluer tout ça. Voilà. Donc ces objets nous proviennent directement de cette époque-là. Ils nous renseignent sur comment les premiers corps du système solaire se sont formés, mais c'est assez compliqué. Voilà. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter ces magazines qui sont parus aux éditions Dupia. Et surtout, je veux remercier l'éditeur, qui aussi est photographe, parce que ce sont ces photos que j'utilise dans tous mes exposés. Et voilà. Et pour conclure, je voudrais dire que je suis vraiment ravie d'avoir été invitée à venir prolonger, d'ailleurs pour le 25e anniversaire de ces conférences, qui ont été, je crois, lancées par Jean, qui est ici, qui venait d'arriver à l'IAP quand le moment où j'étais en train de faire ma thèse, et que donc je connais depuis très longtemps. Et donc voilà, je suis très contente de pouvoir prolonger ces conférences. Et je vous remercie de m'avoir écoutée. Merci beaucoup Brigitte, j'ai appris plein de choses et je suis sûre que vous aussi. Et effectivement, on peut lire tout en haut, mardi 7 février 1995, c'était la première conférence publique de l'IAP, c'était déjà le mardi soir. C'était déjà, non c'était 20h30 à l'époque. Voilà, on peut applaudir Jean parce que c'est lui qui a... Et c'est reparti pour 25 ans. Peut-être pas avec moi, mais voilà. Place aux gens. Et je ne reviens pas dans 25 ans non plus. Hein.
Voilà, donc maintenant on va prendre vos questions. Donc vous attendez que j'arrive près de vous pour que vous ayez le micro. Et c'est à vous. Merci, bravo, c'était très intéressant. Mon seul regret, vous n'avez pas dit un mot des palacites, des superbes palacites. J'espérais que vous nous montreriez ça. Ah, j'en ai montré une. J'en ai montré une quand j'ai montré la différenciation des planètes. Ben, je voulais me concentrer sur comment on remonte à l'histoire du système. Ça joue sur la... Oui, c'est quand même lié à la... Ah ben, c'est vraiment... Il y a vraiment deux catégories d'objets. Hein. Il y a les planètes différenciées, les planètes non différenciées. Les roches qui proviennent de planètes différenciées nous renseignent sur l'évolution interne des planètes. Donc c'est très intéressant parce qu'on n'ira pas au centre de la Terre et là, on a des objets qui proviennent du centre d'un astéroïde. Mais... C'est quand même une autre histoire, et ce n'est pas l'histoire dont avec laquelle je suis la plus confortable, je peux en parler un petit peu, mais ma spécialité c'est plutôt ça, remonter à l'histoire de la genèse du système solaire, aux premiers objets, comment ils se sont assemblés. Si on voulait parler des palacites, il faudrait faire venir quelqu'un d'autre pour vraiment parler de ce sujet-là à fond, et de comment ont évolué les planètes dans leur intérieur. C'est tout un sujet très intéressant. Mais... Bah, tu nous donneras des noms pour l'année prochaine. Oui, j'ai des idées. Bonsoir, merci pour cette conférence. Peut-on dater les acides aminés que l'on retrouve dans les fragments de météorites que vous étudiez ? Non, parce que le problème de dater, c'est qu'il faut avoir un chronomètre. Et on peut dater les roches puisqu'il y a ces éléments radioactifs de période courte, enfin, ou de période longue, je dis des bêtises, ces éléments radioactifs, parce que quand un élément donc, est radioactif, au bout d'un certain temps, on sait qu'il va y en avoir la moitié. Si on arrive à faire des hypothèses, il y a des hypothèses derrière, mais si on arrive à dire combien il y en avait au départ dans le système, combien il y avait de l'élément fils, on peut regarder ce qui reste et on peut mesurer ces quantités, et là, on va pouvoir donner un âge, on va pouvoir dire le système a évolué pendant tant de temps. Mais il faut un phénomène comme ça, il faut un chronomètre. Et un acide aminé, c'est du carbone, de l'azote, de l'hydrogène, il n'y a rien. Voilà. Donc il faut un événement de haute température qui va fermer le système. Donc ce qu'on date, c'est le moment où le minéral a cristallisé, par exemple, à partir d'un liquide. Et puis il faut des éléments radioactifs qui vont décroître pour pouvoir faire des datations. Pour le cas des acides aminés, on n'a pas de méthode à l'heure actuelle pour les dater. Donc on ne peut pas répondre à cette question. Ça serait intéressant. Oui, merci, c'était effectivement très intéressant. Une question très béotienne dans ce domaine, mais est-ce qu'on a une idée de la quantité finalement de matière, parce que vous travaillez sur beaucoup d'éléments, il y a des météorites tous les jours qui tombent, toutes différentes ou pas? Enfin, sur quelle base vous travaillez, parce que... Alors, en termes de variété de météorites, on en a quelques centaines, je vais dire, de variétés de roches. C'est pas beaucoup. On sait qu'on a un biais d'échantillonnage déjà, parce qu'il faut pouvoir, pour tomber sur la Terre, il faut pouvoir traverser l'atmosphère, et c'est un moment extrêmement périlleux. Et les objets, peut-être les plus intéressants, sont détruits dans l'atmosphère, totalement vaporisés ou en tout cas fragmentés, parce qu'on retrouve des petites particules, en particulier au Groenland, en Antarctique, qu'on sait identifier dans les glaces, qui sont probablement des fragments de ces roches qui se sont fragmentées dans l'espace, dans l'atmosphère. Et on pense qu'on a des fragments de comètes comme ça, mais que les fragments de comètes entiers n'atteignent pas le sol. Donc on a déjà un fractionnement qui est lié à cette traversée de l'atmosphère. Et puis tous les objets qui sont dans l'espace interplanétaire n'entrent pas en collision les uns avec les autres. Par exemple, toutes les météorites, tout ce qui ressemble à des basaltes, on pense que c'est tous des bouts de l'astéroïde Vesta. Donc on a vraiment un vrai biais d'échantillonnage. Ensuite, quand une roche tombe, il faut la ramasser. Et évidemment, la Terre, elle s'est construite à partir de matériaux extraterrestres. Et pendant très longtemps, les gens voyaient des roches tomber. Ils ne remettaient pas tellement en question l'idée qu'il y avait des pierres qui tombaient du ciel, jusqu'à ce que les savants de l'ère des Lumières commencent à mettre un peu d'ordre là-dedans. Il y avait beaucoup de choses réputées tomber du ciel. Si moi, je vous donnais la liste de tous les cailloux dont on m'envoie des photos, vous verriez qu'il y a beaucoup de roches que les gens pensent tomber du ciel qui n'en sont pas.
Il a fallu découvrir cette propriété commune des météorites de contenir quasiment toutes du fer sous forme métallique pour qu'on puisse comprendre qu'il y avait vraiment des objets qui tombaient effectivement du ciel et les étudier. Et ça, c'est récent, ça date du tournant du 19e siècle et ça fait 200 ans que vraiment on collectionne ces objets-là. Ils sont différents, ils sont très intéressants, ils sont dans les collections. Donc notre premier chantier, entre guillemets, c'est de travailler sur les échantillons qui sont dans les collections. Et en particulier en France, on a un muséum national qui conserve les collections nationales. Et c'est une source pour pouvoir travailler. Et le rôle des conservateurs voilà, de la collection nationale, c'est de donner accès aux autres scientifiques à ces échantillons. Au public aussi, de les montrer dans des expositions, c'est plein de choses. Depuis qu'on conserve des météorites en France, donc depuis 1800, on en a vu tomber et récupérer un peu plus d'une cinquantaine, pas plus. C'est parce que, déjà, il en tombe assez peu, et en plus, si on ne les voit pas tomber, on n'a pas tendance à les ramasser. Et d'ailleurs, il y a une différence extrêmement intéressante. Entre le 19e siècle, on a ramassé 45 cailloux tombés du ciel, et le 20e, on n'en a plus ramassé que 9, où il en tombe toujours autant. Ce qui se passe, c'est que les gens sont beaucoup moins dehors, ne voient pas tomber les objets. Donc, pour cette raison, quand on s'est avisé qu'il y avait des objets qui tombaient, il y a eu aussi un bolide qui a été vu, plein de gens l'ont vu, mais on n'a pas su où l'objet était tombé. Avec des collègues de l'Observatoire de Paris, c'est pour ça que je suis très souvent ici maintenant, on a obtenu une ANR pour monter un réseau de caméras pour pouvoir surveiller le ciel et voir tomber les objets. Ça s'appelle le réseau Fripon. Ça fait 5 ans qu'on a commencé à le mettre en place. Il y a 100 caméras maintenant réparties en France et on est en train de commencer à essayer de savoir combien il en tombe réellement. Globalement, on pense qu'il doit en tomber... peut-être une petite dizaine sur le territoire de la France chaque année, qui ne sont pas toutes observables, parce qu'il y a celles qui tombent en plein jour, il y a celles qui tombent quand il y a des nuages, etc. Donc on pense qu'on va pouvoir observer et éventuellement aller chercher les cailloux sur 3 événements chaque année. Donc c'est vraiment très 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 peu de matériaux qu'on est susceptible de retrouver. Après, ce que font les chercheurs, c'est d'aller les chercher dans les endroits où elles s'accumulent. Parce que le problème, c'est qu'une météorite, elle tombe dans une forêt. En plus, il y a du fer, ça rouille. Donc, très vite, ça va disparaître, ça va s'effriter. On ne va pas reconnaître le caillou. Dans les déserts, en particulier, par exemple, en Atacama, qui est l'endroit quasiment le plus sec sur la Terre, les cailloux, ils restent. Ils s'accumulent. Donc, c'est un endroit où c'est assez favorable d'aller chercher des météorites. Et puis, en Antarctique, les chercheurs vont en chercher en Antarctique, parce que là, il n'y a que de la glace. Et puis, en plus, le mouvement des glaciers fait que les roches se concentrent dans certains endroits. Alors, elles se concentrent, elles sont toutes mélangées. Ça, c'est un peu désagréable parce qu'on peut avoir... Comme une météorite, elle va se fragmenter quand elle tombe. Il peut y avoir 150 morceaux de celle-ci, 300 morceaux de celle-là. Et tout ça, c'est mélangé. Il faut essayer de faire le tri. Ce n'est pas si facile. Hein. Mais c'est une source importante de nouveaux types de météorites. Et chaque fois qu'on va dans des nouveaux endroits comme ça, on trouve des nouveaux types de météorites. Et chaque nouvelle météorite, c'est une photo d'un moment du disque protoplanétaire, d'un endroit dans le disque protoplanétaire, d'une planète différente. Donc chaque nouvelle météorite est susceptible d'être intéressante. Elles le sont, bon, on a quand même des grandes familles. Hein. Ces objets-là qu'on appelle les chondrites ordinaires, c'est quand même 80% des objets qui tombent. Ce n'est pas les objets les plus intéressants du point de vue du genre de reconstitution qu'on est en train d'essayer de faire. Mais... à chaque fois qu'on trouve une nouvelle météorite, ça peut être une nouvelle aventure. Et moi, je dois dire que ma carrière s'est faite quand même aller sur 3 objets principaux. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Oui, très intéressant. Je voulais savoir où est le réservoir de toutes ces météorites avant qu'elles arrivent et pourquoi arrive-t-elle sur Terre? Alors, il y a une chose dont je n'ai pas vraiment parlé énormément, c'est les collisions entre corps du système solaire. Je vous ai montré la collision qu'a donnée la Lune. En fait, dans le système solaire, il y a des petits corps qui se promènent. Ils sont, pour beaucoup, très loin, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, là où il y a les comètes. Mais surtout, il y a aussi un endroit où il y a des petits corps qui gravitent entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. C'est ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes.
Dans cette zone-là, les effets de gravitation, les perturbations liées au passage de Jupiter, qui est une planète extrêmement massive, font qu'il n'a pas pu se former de planète. Et il y a des petits corps qui gravitent dans ces endroits-là. Et il y a même des zones qui sont interdites. C'est-à-dire qu'un astéroïde qui, suite à un mouvement, il y a plusieurs causes pour ces mouvements, se retrouverait dans ces lacunes-là, où il a une période qui rentre en résonance avec celle de Jupiter, qui le perturbe, ben cet astéroïde va être éjecté soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du système. Et à ce moment-là, ben quand on a des astéroïdes qui se baladent sur des orbites un petit peu bizarres, ben ils peuvent entrer en collision avec la Terre, et c'est ce qui se passe. Et c'est un phénomène assez fréquent. En réalité, il suffit de voir la surface de la Lune criblée de cratères d'impact. C'est parce que les collisions dans le système solaire, c'est le phénomène géologique dominant à l'échelle du système solaire. Il s'en produit absolument tout le temps. Donc c'est comme ça qu'il y a des météorites qui peuvent tomber sur la Terre quand il y a eu un astéroïde qui a été perturbé. Et la manière de perturber un astéroïde, bah, c'est de le casser quand il y a des collisions entre astéroïdes, ou alors avec les rayons du Soleil. En fait, il y a un phénomène qu'on appelle l'effet Yarkovsky. Il y a un phénomène de chauffe différentielle qui perturbe très, très, très légèrement un astéroïde, qui font qu'il a tendance à dériver soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur du système, et qui peut se retrouver dans ses lacunes et à ce moment-là être éjecté, encore une fois, vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc il y a plusieurs raisons qui font que les astéroïdes peuvent se retrouver perturbés, et au lieu de tourner tranquillement autour du Soleil dans cette zone entre Mars et Jupiter, ben, ils peuvent plonger vers l'intérieur du système et à ce moment-là entrer en collision avec la Terre. Donc c'est ça notre réservoir principal des astéroïdes, des météorites. Mais pas que, parce qu'on a des fragments de la Lune. Quand il y a des collisions sur la Lune, il y a des bouts de Lune qui se baladent, et ils peuvent en tomber sur la Terre. On a aussi des fragments de la planète Mars. Si je peux me permettre, vous avez montré des anneaux. Donc ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas homogène, cette répartition de toutes ces poussières ou blocs météorites comme ça. Il y a des anneaux vides, on dirait, partout. Ça se passe. Il est possible et probable que le système solaire ressemblait à ça il y a 4,5 milliards d'années. Et qu'il y avait des endroits où il y avait des corps en train de grossir qui avaient déjà nettoyé l'endroit dans lequel il se trouvait. En fait, ça correspond à ça. Mais dans le cas de cette étoile vue par l'interféromètre ALMA, les chercheurs ne sont pas totalement sûrs que de ça qu'il soit question. En fait, ils disent que c'est une possibilité, mais ils ne sont pas totalement convaincus de cette interprétation. Mais c'est comme ça qu'on imagine le disque protoplanétaire en formation, avec des zones dans lesquelles un corps plus gros commençait à nettoyer son orbite et à rassembler les objets. Et puis après, ça donne le système solaire tel qu'on le connaît, avec ces planètes qui sont espacées de manière régulière, et puis cette zone, donc la ceinture des astéroïdes, dans laquelle il y a beaucoup de petits corps, enfin beaucoup. Il y en a des milliers, mais ils sont très petits, ça correspond à très peu de matériel, en fait. Une dernière question ? Vous avez dit que certains fragments viennent de la Lune ou de Mars. Bon, ce n'est pas des chondrites, mais à quoi les reconnaît-on ? Alors pour la Lune, c'est facile. Hein. On a rapporté des échantillons de la Lune, donc il suffit de les comparer. Ça, ce sont des roches qui ont vraiment des caractéristiques bien particulières, qui ne ressemblent pas forcément aux roches qu'on a sur Terre. Donc ça, on sait très bien les identifier, il n'y a pas de problème. Pour Mars, c'est plus difficile. Et tant qu'on n'aura pas rapporté vraiment d'échantillons de Mars, on ne sera pas sûr à 100%. Néanmoins, on est quand même sûr, je vais dire, à 99,9%. Pourquoi ? Alors, ils ont plusieurs caractéristiques. Déjà, en fonction de la minéralogie, de la chimie, et aussi ce qu'on appelle la signature isotopique, c'est-à-dire les propriétés nucléaires, en particulier de l'oxygène, il y a des très 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 légères variations d'un objet à l'autre, on fait des grandes familles de roches. Et pour les chondrites, on a ces familles, mais aussi dans les roches différenciées. Et on a des roches différenciées qui appartiennent toutes à une même famille, ça on en est absolument sûr. Et parmi ces roches, il y en a qui ont cristallisé il y a un peu plus d'un milliard d'années. Et il y a un milliard d'années, tous les astéroïdes s'étaient totalement éteints. Donc il faut que ça vienne d'un corps qui a encore une géologie active avec des magmas qui cristallisent. À part Io ou des petits corps comme ça qui ont vraiment des évolutions particulières, il s'agit d'une planète. Alors déjà, on cherche une planète. Autour de la Terre, il y a Vénus à l'intérieur du système solaire et il y a Mars. Vénus, c'est une planète extrêmement massive, avec une atmosphère très dense. Donc pour arracher des morceaux de Vénus, il va falloir vraiment, vraiment y aller. Pour Mars, c'est beaucoup plus facile, la planète est plus petite, l'atmosphère est très ténue.
Donc ça, ça pointe vraiment sur Mars. Et puis, on a, en 1979, on a analysé les gaz rares qui étaient piégés dans une météorite martienne au moment de l'impact qui l'a éjectée. Et il se trouve que ça correspond exactement à ce qui a été mesuré par les sondes Viking à la surface de Mars. Donc on est sûr à 99,9%. Mais le jour où on ira vraiment sur Mars, là, on pourra vraiment être absolument certain. Eh bien, rendez-vous le jour où on ira sur Mars ou fin février. Bonne soirée à tous et merci Brigitte.